Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, c'est Caléon. Aujourd'hui, on se retrouve avec une chanson de ce merveilleux chanteur qui est Dimash Kudaibergen et qui s'appelle Sinful Passion. Ce que je vous propose, c'est qu'on écoute ensemble cette chanson et qu'à la fin, si vous souhaitez, on débriefe ensemble. Allez, je la mets. Bon, j'ai vu dans les commentaires qu'apparemment c'était une chanson de dingue. Ты явилась нежданно, как из лунного сна. Спасибо. О, если б знала ты, что мне нужна только ты одна. Très beau vibrato. Были ночи без сна, но в стуже сердце озарило, как весна. Только ты одна. Дай мне ночью и днем сгорать в костре грешной страсти. Ночь замкнула ресницы. Окей, je vois. La vache. И вокруг тишина. Забыты звуки, руки, лица. Мне нужна только ты одна. Околдован тобою. Выпью зелье до дна. Je sens que ça va péter dans pas longtemps. Oh, les notes! Oh, la vache! Je kiffe.
Oh là là! Igor Crutoy. Est-ce que vous savez si c'est Igor qui lui a écrit la chanson? Alors je m'attendais pas du tout à ce mélange. En gros, j'ai calculé. Je pense que l'amplitude. Je pense qu'il se balade sur 5 octaves là. On doit être sur 4 à 5 octaves. Bien. Les notes qu'il a à atteindre, ce sont des notes que seules les grandes chanteuses lyriques comme la Callas peuvent atteindre. Et encore. Je ne sais pas à quoi ça correspond. On doit pas être loin du A5, quelque chose comme ça, je pense. Hein. C'est juste énorme. Waouh. Vous savez que j'adore la technicité. C'est la note la plus haute que j'ai entendue depuis que je suis en train de reprendre des tutos avec Dimash. C'est hallucinant. Ce garçon est toujours surprenant. Il va toujours là où on ne l'attend pas. C'est quelqu'un qui, à mon sens, a une personnalité qui doit être très riche. Ses études, je pense, de musique ont forcément été longues. On n'arrive pas à ce degré de technicité sans apprendre. Waouh, quelle magnifique chanson! Et puis les paroles étaient sous-titrées. Vous avez dû le voir dans la vidéo. Les paroles sont magnifiques. Je ne sais pas qui les a écrites. Je ne sais pas si c'est que Igor qui a fait la musique. Je ne sais pas si c'est une reprise. Je ne sais pas. Parce que je sais qu'il fait beaucoup de covers aussi. Waouh! Vraiment chapeau bas l'artiste. Je suis toujours interloqué lorsque j'écoute une chanson que Dimash chante. Parce qu'il le fait avec fougue, passion. Et ce garçon a une telle simplicité quand on le regarde, il chante. Parce que le chant, ce n'est pas que de la démonstration vocale. C'est aussi une forme d'échange qu'il faut avoir avec son public, mais aussi de sincérité. On ne peut pas chanter avec ce degré de constance sans être sincère. Je crois que ça devient ma chanson préférée de Dimash. Vous allez me dire à chaque fois que j'en écoute une, je vous dis la même chose. Et ouais, mais vous avez vu le level, la barre est haute, comme on dit en France. Je vais me la réécouter une deuxième fois. J'adore cette chanson. Merci infiniment de m'avoir fait découvrir cette chanson. J'espère qu'elle vous aura plu. Et n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous pensez de cette chanson. Racontez-moi son histoire. Et je vous remercie infiniment. Je sais que vous êtes beaucoup en Russie à me suivre. Au Kazakhstan également. Donc je voulais vous faire un petit coucou particulier. La Pologne aussi, nos amis qui sont au Canada. La Hongrie. Beaucoup de pays, la France, je ne vous oublie pas. Et thank you, bye bye, see you soon, dobrevece, bye, salut.